Après, s'il y a des gens qui déhookent devant vous... Après, le mec, c'est pas de sa faute. Celui qui s'est fait déhook, des fois, il se fait farmer. Ça, c'est à vous de le voir. C'est à vous de vous dire, ouais, là, il est vraiment con, tu vois, il vient de se faire farmer. Après, c'est pas dans votre intérêt à le laisser tranquille. Mais en même temps, bon, c'est plus fair play, quoi. Après, ça, c'est vraiment à vous de voir. On a les Silent Strap, non? J'ai bien pris ça, hein, les chaînes rouillées. Du coup, Silent Strap oblige. Petit prank. Donc là, si vous voulez, mes pièges, mes traps, quand ils vont être déclenchés, ils n'auront pas d'alerte. C'est-à-dire, ils ne sauront pas qu'ils ont déclenché un piège. Et c'est énorme hein, pour Brain. Donc, ce qu'on veut, c'est poser des traps sur les générateurs. Pourquoi? Parce que quand ils vont aller sur un générateur, ça va déclencher le trap. J'attends quelques secondes, je pop. Et je peux direct les attraper pour leur mettre la misère. Il y a déjà quelqu'un là-bas. La rune a été trouvée. Les bâtards. Le bâtard de ses morts. J'ai quelqu'un dessus. Hein. Il y a quelqu'un qui est pas loin, en tout cas, je le sais. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Tout le monde est là. Ok. Bonjour. C'est moi, c'est Olivier de chez Carglass. Tu m'as vraiment pris pour un jambon, toi. Ok, t'es en train de faire mon win. Pas. Je savais qu'il était en train de faire mon win, c'est le mec LDS, on va carrément le laisser tranquille. On va pas se faire chier avec lui. C'est barré loin, on va poser un trap sur le... Okay. Nice. Vous voyez ça par exemple? Ça c'est vraiment ce que vous pouvez faire avec... Enfin plutôt grâce à... Justement Silent Trap. Elle savait pas qu'elle avait déclenché le trap, elle s'est fait baiser là-dessus. On va même pas poser de trap en dessous, ils savent très bien que je suis une harpie maintenant. Donc en gros ils vont déhook en mode silencieux. Ils le savent parfaitement. On va poser des trappes un peu à droite à gauche. Ok, elle s'est fait déhook direct. Là si vous voulez mon prise de décision, c'est même pas enclenché. On va suivre l'autre. Ok, c'est dommage. Alors après c'est plus la grappe là-dessus. Ok, on va poser un trap ici. Là elle est obligée de décaler du coup. Quelqu'un qui est revenu ici. Dommage. C'est encore Teddy Bear de ses morts. Il est très très chiant celui-là. Le truc c'est qu'il a un DS en fait, donc il va me casser les couilles toute la game. C'est déjà soigné. Une personne ici. Les mecs là vont zéro me respect en fait, hein, toute la game. C'est avec un truc scandaleux. Elle savait que je voulais poser un trap. C'est pour ça qu'elle a brain là-dessus. C'était très bien joué d'ailleurs. Elle a fait un bon déplacement. On a un mec qui a une flashlight. Pas celui qui a le déj, je crois. Oh putain, ils vont me faire chier. Nice. On arrive à avoir ça à plus 2 hits. Ce qui est énorme. On est trop loin. Dommage. On va poser un trap ici. Les gens passeront sûrement là. Ok, on a les deux qui se heal. Je crois que c'est celui qui a la flashlight et l'autre. Les mongols qui sont blessés. Bonjour. L'autre qui a un DS, on s'en fout un peu de lui pour le moment. Ok, on va le faire baliser un peu. S'il passe la fenêtre, on pourra directement le hit aussi. Là, si on le pousse là-dessus, on a gagné. Dommage qu'il ait eu le temps de se heal. On va poser un trap ici. Un mec qui est là-bas, l'autre doit pas tarder à arriver. Voilà, il est là. Ok, on peut garder un contrôle maintenant sur les deux. Jackie a fait une erreur de déplacement. Ok, elle a fait une erreur là-dessus. On n'a pas le prix de décision sur elle. On va pouvoir au moins lui mettre un hit. Ça, c'est avantage. Donc en gros, la bouchée sadique, ça me permet de faire ça aussi. Ok. On va aller chercher l'autre direct.
Il doit être en train de se soigner. Non, Jacqueline n'a pas grid quand même. Je vois pas pourquoi elle rampe. Elle aurait dû essayer de récup. Là, la game leur filait entre les doigts alors qu'ils avaient très très bien joué. Ils commençaient à bien au petit générateur, etc. Tout s'était très bien passé dès le début. Et en fait, juste parce que lui s'est amusé à essayer de flashlight et l'autre il a fait le mongol en essayant de bloquer parce qu'il a un DS. Et finalement, leur game leur échappe des doigts là-dessus. Une grosse erreur, un gros misplay de gestion de la game. Elle se suicide elle aussi. Elle sait très bien que c'est un peu la baise. À poser des trappes sur... T'inquiète. Je vous l'ai dit, hein, les trappes sur les générateurs, c'est banco. C'est tellement gagné d'avance. On va poser le trap avant même qu'elle fasse quoi que ce soit. Là, il y a deux choix, soit d'aller au niveau de la double fenêtre, soit d'aller là. Si j'ai un trap, et elle tombe. Donc là, j'ai fait exprès de l'amener ici. Hein. C'était pas évident, et c'était pas sa seule option. C'est juste la manière dont je me suis déplacé, en fait. Et yo, Mashrio. En fait, si vous voulez, je vais vous montrer un peu comment je me suis déplacé. Là, ici, en gros, elle était là, là. J'ai posé un trap, elle s'est dit, ok, faut que je me barre. Elle s'est barrée par là. Au début, il y avait le double fenêtre, il y avait le jungle gym. Et en fait, vu que je suis passé par là, là, elle pouvait pas aller sur le double fenêtre. Le double fenêtre, c'était à baisse pour elle. Du coup, elle est partie de là-bas et je l'ai forcé à aller sur un trap. C'est toujours ce que vous voulez faire, vous déplacer de telle manière à amener la personne sur vos traps. C'est le plus important. On voit le Jackie. La trappe, on sait où elle est maintenant. On va poser des trappes. En gros, là, au moment où il va l'entendre, il va courir dessus. Ok, il s'est barré de l'autre côté, il me semble. C'est barré de l'autre côté, ça, c'est impeccable. Ok, on va déjà avoir la chaise. Donc là, si vous voulez, je me décale. Parce que moi, j'ai l'information sur la trappe. Lui, non. Donc en gros, on va juste le forcer. Ce qu'on veut, c'est peut-être Bloodlust. Ah, il va lui mettre un coup, ça serait pas mal. Nice, on arrive à lui mettre un coup là-dessus. Indignation, succès déverrouillé, incroyable. Ok. Là, vous voyez, par exemple, je le force à pas aller vers la trappe. Lui, il a pas d'info là-dessus, il l'a pas entendu. Là, il claque la palette, ça sert absolument à rien. On va juste à poser un trap là-dessus. Vu qu'il s'était décalé là, il va feinter pour aller partir de l'autre côté. C'était normal de faire ça. Une feinte assez standard. S'il est monté ou il est parti de l'autre côté. Il est parti de l'autre côté directement. Le trap qui se déclenche. Le dédarn qui a été bien géré même si il a pris un arbre derrière. Ok, là ce qu'on veut c'est poser un trap. Ici. Un trap ici. Un trap ici. Il y a un trap ici. On va la récupérer. On va l'amener le plus loin possible. On va claquer son DS. Et là, vous voyez, en fait, sa seule direction pour aller vers la trappe. Il y avait les pièges, je l'ai déclenché dans tous les cas. Là je voulais l'amener de l'autre côté pour poser ses trappes. Il a compris où était la trappe, je pense. Je pense qu'il avait compris, mais c'était mort. C'est déjà fini. Malheureusement. Ça, il aurait dû le deviner juste à mes déplacements et la manière dont je me suis déplacé tout le long de la game. Je l'ai toujours acculé vers un endroit. À partir de là, il aurait dû savoir. Très bien! Et salut à toi, Arkham! Olivier, Checker Glass, bien sûr. Salut à toi, Max Rémy aussi. Mushrio! J'ai raté ta notif. Oh, dur, loterie, comment ça va? Dur, dur, dur. Belle game! Là, on a fait un 4 kills, ils ont full tilt, alors qu'ils étaient très bons, ils auraient pu largement finir la game, je pense.
C'est juste qu'ils étaient en tilt complet. Enfin, je sais pas comment dire. C'est peut-être les Silent Strap, déjà, ça les a beaucoup perturbés. Ils ont perdu pas mal de trucs avec ça. Notamment sur les générateurs quand je les ai chopés. Et après, bah derrière, on a enchaîné, en fait. Dès qu'on a eu notre momentum, les mecs ont pas arrêté de couiner.